Without you, I still feel lost. Salut à tous. Guys, j'ai une très bonne classe pour le KV Inhibitor. Bon, alors ok, vous devez sûrement vous dire, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou ceux qui tombent sur cette vidéo, c'est qui lui, on va pas suivre sa classe nommée O. Bon, ok, c'est tout à fait legit, mais je peux juste vous dire une chose les gars, j'ai pas mal d'expérience dans les jeux vidéo, je sais ce que je fais quand je joue à un jeu vidéo, donc ouais, vous pouvez me croire, sur parole ou non, c'est vous qui voyez guys, testez par vous-même, ok. Puis vous m'en direz des nouvelles. Bon gars, juste vite fait, je vais pas vous casser la tête longtemps. Le scope, on s'en fout. On le prend pas. Si vous ne voulez pas ce scope, vous le prenez pas pour avoir l'avantage de mettre un mag. Parce que le mag nous permet d'avoir de la DS speed et de sprint to fire time. Donc quand je dis ADS speed, pour ceux qui savent pas, c'est regarder dans le viseur quand tu bouges pas, quand tu sprintes pas. Et le sprint to fire speed, c'est tu regardes dans le viseur depuis ton sprint. Voilà. Si vous voulez un scope, vous mettez un scope, parce que si jamais vous dites comme moi d'ailleurs, le scope de base, je l'aime pas du tout, j'ai un feeling très bizarre avec, j'arrive limite pas à sniper, genre. Si vous voulez pas sniper, vous pouvez mettre le mag qui vous met de la DS speed et le sprint to fire, regardez dans le viseur depuis le sprint. Guys, vous pouvez prendre ma classe si vous voulez, testez-la. Dans les lasers, j'utilise le Sapphire Box ici. Je vous conseille de le débloquer, il n'est pas débloqué à la base. Ça te donne un bon boost de sprint to fire speed. Et en bonus, un petit boost de jump shot. Voilà, avec tu peux un peu jump shot quoi. Si tu mets plus les gants, bon, tu peux jump shot quand même assez bien. On va regarder les stats du Sapphire Box d'ailleurs. On a 161 ms, donc faites gaffe parce que quand il y a marqué 161 ms, c'est parce que tout est combiné ici, hein, d'accord. 161 ms pour le Sapphire. Et si on va sur le FSS V-Laser, on a, regardez dans le Sprint to Fire Speed, donc regardez dans le viseur depuis le Sprint, on est à 166 ms si on utilise celui-là. Ok, et sur le Sapphire Box, on est à 161. Donc on a quand même à 8 ms de prix les gars. Moi je prends hein, franchement, parce que, ok, sur le FSS Laser, V-Laser, on est à 456 ms sur la DS speed normal. Donc regardez dans le viseur normal, sans bouger quoi. 456, pourquoi je zozote. Et sur le Sapphire, par contre, on est à 485. Bon, après libre à vous, je vous conseille quand même le Sprint to Fire Speed, donc le Sapphire Box. Parce que quand tu snipes, en général, on court pas mal, hein, guys. Et en plus, le Sprint to Fire Speed s'active en faisant juste un pas en courant, donc... voilà quoi, c'est toujours ça de gagner les gars. Après évidemment, les deux sont très bons hein, les gars. Les deux sont très bons. Après libre à vous les gars. Sur la crosse, on va prendre celui-là. Ivanov Wood Stock. J'espère que c'est pareil en français les gars. Mon jeu est en anglais. Voilà, en tout cas, vous pouvez voir le dessin si jamais. Voilà. Pour moi, c'est le premier en tout cas ici, dans le grip les gars. On va prendre le deuxième, le Broadside Grip. Donc c'est la poignée hein, en français. Barrel. Dans le barrel. On va prendre le quatrième. Je sais pas si c'est le quatrième pour vous en tout cas. C'est le Castovia LPM 12. Et franchement, niveau hitmarker, c'est plutôt correct. Hein. Franchement, les hitmarkers, ils sont quand même assez rares si tu vises bien. Si tu vises vers le diaphragme. Vraiment, si tu vises le diaphragme un petit peu
au commencement des poumons à peu près. Un tout petit peu plus haut, j'ai l'impression. Je ne ferai pas dit marqueur, mec. Vous avez un scope, si vous voulez un scope, par exemple, vous mettez un scope, vous n'avez plus de place. Je vous conseille de mettre le magazine. Parce que overall, il est quand même mieux le magazine ici, le chargeur. Hein, niveau stats, les gars. Personnellement, c'est pour ça que je prends celui-là. Les deux sont, franchement, les deux sont très bons, hein, les gars. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je prends la poignée parce que moi, je vais pour les clips, hein, les gars, quand je joue aussi. Donc, du coup, j'ai besoin des 10 balles, quoi, dans le chargeur, tu vois. Si vous en fichez de ça, ouais, franchement, prenez le chargeur. Ok, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé la tête, guys. Sinon, le snipe est bon, hein, franchement. Le snipe est bon. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, un feeling un peu bizarre. Je vais pas le cacher, les gars. On va pas faire genre. Feeling un peu bizarre avec le sniper, bon, ok. T'arrives quand même à avoir du fun avec. Niveau hitmarker, c'est plutôt correct. Il est plutôt bon. Donc, ouais, plutôt bon ce inhibitor. Bon, guys, je vous laisse maintenant avec un gameplay un petit peu. Que vous voyez un peu cette classe en action. Et puis, voilà. C'était pour moi, guys. Prenez soin de vous. Et puis, on se revoit dans la prochaine motherfucking vidéo. Dans la prochaine vidéo, les gars. Allez, peace, 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 allez. Ah, let's go. Non, là-bas. Ah, ok. Ah, il a touché ses balles, nice. Il est mort. Ah là là, c'est ma faute là. Hein. Et puis quand je reprends mon sniper, putain, c'est dingue. Ils sont là en mode hardscope, Zebi. C'est vrai que nous, frère. Shadow of Death. My God.